Alors, comme d'habitude, ce webinaire est organisé par Waldata et le centre de formation Waltrade Institute. Je me présente, je suis Daniel, je suis votre chargé de clientèle. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Et voilà, je voudrais tout simplement souhaiter la bienvenue au nouveau. Alors, pour rappel, aujourd'hui, Waldata, on est précurseur de l'analyse technique en France. Donc, ça fait aujourd'hui 30 ans qu'on accompagne les traders, les investisseurs, les confirmés en bourse, les débutants en bourse et les gestionnaires sur n'importe quel type de marché, que ce soit donc les actions, les indices, le forex, les OPCVM ou bien encore même les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème bien spécifique qui va être comment maîtriser la volatilité des marchés via le Volatility Band Advisor qui est basé justement sur l'approche du trading d'impulsion. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'en ont pas entendu parler. Alors, d'après vous, à quoi peut correspondre justement cette approche du trading d'impulsion, cette méthode, et à quoi justement elle va nous servir? Je vous laisse justement mettre vos réponses dans le chat. Alors, pour la réponse, en fait, il s'agit donc d'une méthode, d'une approche qui va justement vous permettre de jouer sur les accélérations du marché. Donc, très bonne réponse, monsieur Gravinsky. Effectivement, on va jouer sur la volatilité justement pour cerner au mieux donc les accélérations au niveau du marché. Et donc, ce qui veut dire en fait qu'on va capter des mouvements donc qui vont être assez rapides, mais ça va être des gros mouvements d'accélération qui vont partir rapidement, ce qui nous fera en fait prendre des positions sur, voilà, sur des mouvements courts, mais qui vont être très très intéressants en termes de plus-value. Alors après, selon votre profil, vous pouvez avoir une approche différente qui sera forcément dans une des trois grandes familles de méthodes justement au niveau du trading. Après, certains d'entre vous vont même peut-être les varier. Après, d'après vous justement, quelles sont les différentes approches au niveau du trading? Donc tout à l'heure, je l'ai dit, il y a trois grandes approches. D'après vous, ce sont lesquelles? Bonjour à vous, monsieur Vivien. Alors, on aura donc trois approches au niveau du trading. Vous aurez donc l'approche du suivi de tendance, donc qui sera basée en fait, voilà, c'est quand vous allez suivre les valeurs, vous allez prendre position donc en suivant le mouvement de la tendance, et donc ça va être des mouvements qui vont être un petit peu plus tard au niveau de vos prises de position. Il y aura pas mal de personnes, par exemple, qui vont prendre position sur des croisements de moyenne mobile au niveau du suivi de tendance. Après, vous aurez certaines personnes qui vont plutôt choisir l'approche contrarienne. En fait, ça va être tout simplement sur des retournements de tendance. Donc, vous allez jouer sur des retournements au niveau du marché. Donc, ça va être des mouvements un peu plus dangereux, mais sur lesquels vous allez rentrer sur des tout nouveaux mouvements haussiers. Donc, du coup, ce qui sera plus intéressant en termes de plus-value. Et après, bien évidemment, donc vous aurez également le trading d'impulsion dont on a parlé et dont Waldata justement vous met en avant via justement la méthode du Volatility Band Advisor qui va être un concentré de connaissances dans le domaine des indicateurs de volatilité. Alors, cette méthode, c'est aujourd'hui une des méthodes justement les plus sûres, donc le Volatility Band Advisor, pour prendre des positions, parce que justement, cette méthode va vous scanner justement les valeurs et vous les analyser sur quatre différentes phases qui vont vous permettre, voilà, prendre position dans le sens de la tendance, mais également jouer sur des accélérations très très importantes au niveau du marché. Alors, vous aurez donc justement différentes phases. Donc, vous aurez premièrement la phase de squeeze, donc qui va être justement la phase bleue
qui va représenter en fait une phase de concentration sur le marché où nous aurons donc les indécis du marché qui feront justement basculer d'un côté ou d'un autre un mouvement justement sur une accélération. Donc premièrement, nous avons donc la phase de squeeze qui nous indique donc des mouvements, on va dire, assez faibles. Le marché se concentre et se prépare justement à faire une accélération au niveau du marché. Donc après, deuxièmement, vous aurez justement donc les phases d'accélération haussière ou baissière au niveau du marché, où là justement l'accélération va se faire. En fait, vous arrivez sur une phase de squeeze. Vous allez avoir donc des personnes qui vont acheter et qui vont vendre, et il y aura beaucoup d'indécis et qui vont justement suivre le sens de la tendance. Donc si le marché part plutôt à la hausse, ils vont tous rentrer et donc partir à l'achat, et inversement, s'ils passent à la baisse, ils vont passer à la vente, ce qui va créer en fait une accélération et les indécis vont décider de prendre position. Donc là par exemple, si vous regardez en fait sur Air Liquide, on était sur deux phases de squeeze donc en phase 1. Et du coup, là, les personnes ne savaient pas trop quoi faire. Et dès qu'il y a eu un mouvement d'accélération, donc justement, les personnes ont commencé à prendre position et sont rentrées directement sur le marché. Et justement, donc le Volatility Band Advisor va vous mettre en avant ces différentes phases que vous retrouverez d'un côté sur le graphique, mais également dans votre Market Analyzer. Donc vous aurez par exemple la phase 1 de squeeze. Ensuite, vous aurez la phase 2, donc d'accélération baissière ou haussière. Donc haussière juste ici. Et vous aurez donc en phase 3 de la continuation haussière ou baissière. Et après, vous aurez donc à chaque fois les contractions de volatilité. Donc qui sera la dernière phase, la phase 4, où le marché justement se remettra en ordre. Donc vous pourrez aussi clairement les apercevoir sur le graphique justement via des codes couleurs. Donc la phase 3, donc ça va être la phase de continuation où justement les cours continuent sur le mouvement donné par l'inertie, donc par l'accélération. Et après vous aurez donc la phase 4, donc ça va être en fait la phase de contraction au niveau du marché où donc le marché justement revient à la normale. Donc là, ce qu'on peut apercevoir au niveau du Wallmaster, c'est que vous aurez donc sur le Volatility Band Advisor, donc sur le graphique, ces différentes phases qui seront mises en avant, mais vous les aurez également donc dans votre Market Analyzer, qui à chaque fois va vous scanner et analyser vos valeurs sur n'importe quelle période de temps, pour à chaque fois vous déterminer la phase donc sur laquelle justement votre valeur va se positionner. Donc si vous êtes sur une phase de squeeze, faudra faire attention, faudra surveiller, donc au niveau de la prise de position, donc pour détecter un mouvement d'achat ou éventuellement un mouvement de vente si vous faites de la vente à découvert. Et justement, donc votre Wallmaster à chaque fois vous donnera des signaux justement pour rentrer au bon moment dans ces phases et ainsi pouvoir voilà profiter voilà vraiment de ces mouvements d'accélération, donc quant à la hausse ou à la baisse, et ainsi justement voilà optimiser vos plus-values. Et après toujours voilà, vous aurez toujours le code couleur, les phases où vous trouvez, afin de savoir si vous pouvez rentrer sur le marché ou non. Ce qui est le plus intéressant, c'est comme je le dis, donc repérer des phases de squeeze pour pouvoir rentrer au niveau du marché. Et par exemple voilà, si vous êtes sur des phases 3, ça va pas être super intéressant parce que le mouvement est passé. Mais par exemple voilà, si vous êtes sur une phase 3 de continuation baissière, allez justement regarder et observer votre valeur. Donc faudra la suivre pour voir éventuellement si vous passerez inversement à la hausse. Voilà. Après bien évidemment, si vous retrouvez voilà sur des phases de squeeze, donc comme on a sur Air Liquide, vous aurez justement, donc là vous poserez la question, est-ce que je vais intervenir sur le marché ou non. Donc là par exemple on n'a pas de signaux, donc ce qui va être intéressant en fait, ça va être voilà par exemple d'affiner notre timing d'intervention et de regarder sur une autre période de temps ce qui se passe actuellement sur le marché
afin de pouvoir savoir si on va rentrer ou non. Alors là, par exemple, on va, voilà, on va rajouter un graphique. Alors on va, voilà, on va rajouter un graphique assez classique. Et là, par exemple, voilà. Donc, on va le mettre en onglet. On va le rajouter donc sur, voilà, du 4h-6 mois. Et là, vous pourrez justement clairement apercevoir donc une accélération baissière justement qui a commencé sur Air Liquide sur du 4h. Et donc, du coup, là, justement, vous allez vraiment pouvoir rentrer plutôt au niveau du marché et ainsi justement affiner, voilà, votre timing d'intervention et ainsi rentrer plus tôt. Voilà. Alors, afin justement de vous aider dans vos prises de position, donc on a mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un concentré de connaissances donc en termes d'indicateurs techniques de volatilité pour vous aider à prendre vos positions et ainsi mesurer justement l'importance au niveau des squeezes. Alors, vous aurez donc par exemple justement donc l'indicateur qui est juste en dessous, le BBW, qui va justement comprendre deux indicateurs, donc les bandes de Bollinger, donc qui vont vous permettre de mesurer la volatilité en fonction de leur écartement. Vous aurez également le Bollinger Band Width, qui mesure en fait l'écart des bandes de Bollinger en pourcentage de la moyenne mobile. Et à chaque fois, en fait, ces indicateurs, toujours, vous les retrouverez dans votre Market Analyzer. Et quand justement ils seront validés, vous les aurez tout simplement en bleu foncé, juste ici. Donc voilà, vous aurez donc d'un côté un indicateur qui mesure justement les bandes de Bollinger et leur écartement. Donc ce soit en pourcentage ou autre. Vous aurez à côté également donc le squeeze de Carter, donc justement qui va justement vous mesurer l'écart entre les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner. Donc là, dans le cas par exemple de Air Liquide, on a justement les bandes de Bollinger qui sont à l'intérieur des bandes de Keltner. Donc cela met en évidence une forte contraction de la volatilité. Donc là, voilà, pas besoin de s'attarder à comprendre les indicateurs. Vous avez directement tout qui est mis en place. Et là, du coup, tout est résumé pour vous afin de savoir ce qui se passe sur le marché. Et vous aurez également un troisième indicateur, donc qui est l'ADX Squeeze. Et justement, donc, qui va vous mesurer la force des acheteurs et des vendeurs. Et vous aurez également donc la force des acheteurs et des vendeurs qui sera mesurée par DMI- et DMI+, donc que vous aurez juste ici. Et vous aurez également justement la courbe de l'ADX qui sera là pour vous mesurer justement la force de la tendance dans un second souffle et qui sera intéressante quand elle passera au-dessus de 17 justement pour vous repérer les phases d'accélération au niveau du marché. Voilà. Donc, pour vous résumer la chose, vous aurez donc du coup sur le Volatility Band Advisor, vous aurez donc du coup 4 phases qui seront clairement définies via un code couleur et qui vous aideront à déterminer, vous prenez position sur quelle phase au niveau du marché. Bien évidemment, l'idéal c'est, voilà, c'est de profiter des signaux d'achat donc qui vont arriver juste après les phases de squeeze pour pouvoir entrer au niveau du marché. Afin justement de mesurer la puissance de vos phases de squeeze, vous aurez donc dans votre Market Analyzer à chaque fois les différents indicateurs de volatilité qui seront validés. Par exemple, là dans notre cas, on a sur Air Liquide deux indicateurs de volatilité qui sont validés, du coup ce qui nous donne un signal moyen au niveau du squeeze. Ensuite, par exemple sur Capgemini, donc juste en dessous, on aura juste le squeeze de Carter qui sera validé. Du coup, ce qui fera justement voilà, que ce sera un signal faible au niveau justement de la phase de squeeze. Et
Ensuite, vous aurez, donc là par exemple, on n'a pas de. Ah ben on aura par exemple la valeur Vinci, où justement les trois indicateurs de volatilité sont validés. Et donc là, qui nous annonce justement un signal de squeeze, donc d'une force qui sera élevée. Donc à chaque fois, voilà, plus vous aurez d'indicateurs qui seront validés, et plus la prise de position sera importante. Après, bien évidemment, pour anticiper vos prises de position, vous pourrez mettre un graphique sur l'unité mineure et justement anticiper les accélérations donc qui se feront dans les phases de squeeze sur du jour. Alors, bien évidemment, donc Madame Perugini qui me demande alors de cliquer sur la valeur, donc on peut aller faire un petit tour sur Vinci. Donc là voilà, par exemple sur Vinci, on a un signal de squeeze donc qui est plutôt fort et justement qui va plutôt nous indiquer une baisse. Après, on peut aller faire un tour donc sur du 4 heures pour voir ce qui se passe. Et voilà. Et là, par exemple, on peut. Alors, hop. On va rajouter. Et donc là, par exemple, sur Vinci, on peut clairement voir donc la phase de squeeze qui est déjà dans une phase d'accélération ici, car nous avons une forte baisse donc sur la valeur justement Vinci. Alors, ensuite, donc après les phases de squeeze, donc à chaque fois vous aurez donc ces fameux signaux d'achat qui vous permettront de rentrer sur le marché. Et suite à ça, à chaque fois vous aurez justement donc deux indicateurs qui sont exclusifs Wall Data, donc que vous connaissez déjà pour les habitués, qui seront le WTI et le WIPI, qui vous permettront en fait voilà de surfer sur l'accélération ou la continuation. Et qui vous donneront également justement donc le potentiel au niveau de votre valeur et voir combien voilà vous pouvez encore et voilà le pourcentage qui vous reste en fait pour encore surfer sur la vague. Par exemple là sur ArcelorMittal, donc on a un signal baissier, on est en accélération baissière, mais on peut voir qu'au niveau du WTI, 80% des conditions de baisse ont été réunies. Donc là, voilà, il nous reste encore un potentiel de 20% sur la valeur, mais après, on pourra voir que le WIPI nous dégage une forte pression vendeuse. Donc là, voilà, en termes de position, ce sera assez mitigé. On peut voir que le WTI a déjà atteint 80% des conditions de baisse. Donc là, voilà, il nous reste encore un potentiel de 20% au niveau justement de la valeur. Et pareil, donc toujours sur une autre phase. Donc là, cette fois-ci, on va regarder la phase 3, mais à la hausse. Vous aurez également toujours voilà, le WTI qui vous indiquera la force de la tendance au niveau de la valeur et donc le potentiel justement qui vous reste pour profiter de cette continuation haussière. Donc voilà, cette méthode. À chaque fois, elle va vous dégager justement les différentes opportunités sur le marché et vous donnera clairement un aperçu, donc qui sera directement dans votre market analyzer sur ce qui se passe sur le marché. Bien évidemment, le plus intéressant, ce sera voilà, de surveiller les phases de squeeze et ensuite de, par exemple, voilà, éventuellement vous rajouter une colonne donc sur le Volatility Band Advisor. Donc pareil au niveau des phases sur une unité mineure. Afin de pouvoir voilà anticiper vos prises de position et pouvoir rentrer plus tôt sur le marché. Alors, cette méthode justement voilà comme je vous ai dit vous donnera donc les accélérations au niveau du marché donc qui seront clairement définies, mais bien évidemment le Volatility Band Advisor et complémentaire voilà, à toutes les méthodes chez Waldata. Donc là, c'est voilà, c'est une méthode spécifique qui vous mettra en avant les accélérations du marché, mais vous pouvez bien évidemment le coupler avec toutes les méthodes que vous avez chez Waldata. Après voilà, ce sera totalement personnalisable et nous, on sera bien évidemment là pour vous aider à les régler et les mettre en place. Par exemple, vous pourrez bien évidemment rajouter directement les divergences qui vont vous permettre en fait voilà de
d'anticiper les retournements sur le Volatility Band Advisor afin de profiter de plus grands mouvements. Donc si par exemple vous repérez une divergence, donc qui sera par exemple en phase squeeze ou en phase 3, vous allez clairement voilà, pouvoir jouer sur des mouvements de hausse plus longs, puisque vous aurez donc le top départ sur un tout nouveau mouvement haussier ou baissier. Donc que je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai par exemple voilà, repéré deux valeurs à retournement sur le CAC 40. Donc Accor et Unibail. Donc vous aurez clairement justement donc deux retournements. Donc par exemple là, Accor, voilà, on est sur la continuation baissière. Unibail, on est sur la phase de squeeze. Mais on peut clairement voir voilà deux retournements de situation au niveau du marché. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil sur... sur les dix. Tout à l'heure, justement, nous étions sur des valeurs à retournement. Et je vous disais justement que le Volatility Band Advisor était totalement couplable avec n'importe quelle méthode. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Donc sur les divergences, justement, qui vous donneront une approche contrarienne. Donc une approche différente. Et qui vont vous permettre, voilà, de rentrer encore plus tôt sur le marché. Et de profiter de retournements. Que vous retrouverez également dans des phases justement d'accélération sur le Volatility Band Advisor. Alors voilà. Alors par exemple voilà, là sur la valeur Accor, on avait par exemple donc une divergence justement qui avait été repérée. Donc juste ici, donc sur une à la fin d'une quatrième phase, et ce qui nous a permis en fait voilà de rentrer beaucoup plus tôt au niveau du marché. Rentrer sur une phase de squeeze et profiter encore d'une accélération baissière. Voilà. Donc comme je vous le dis, en fait, ces méthodes sont totalement compatibles entre elles. Et vous allez justement même pouvoir en rajouter sur le Volatility Band Advisor pour justement vous donner voilà, une approche complémentaire et pouvoir rentrer, on va dire, plus tôt sur le marché sur des retournements. Après, bien évidemment, le Volatility Band Advisor suffit à lui tout seul, puisque justement, vous aurez les différentes phases sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et dans ce cas-là, voilà, vous aurez juste tout simplement à rajouter un graphique sur une période de temps plus courte, ce qui vous permettra en fait de rentrer plus tôt au niveau du marché, et ainsi profiter voilà, d'un plus gros mouvement, tout simplement qui sera de hausse ou de baisse. Voilà, alors je vous remercie en tout cas pour votre participation. L'équipe Waldata reste à disposition. Voilà, si vous avez des questions autres, vous pouvez nous contacter à tout moment au 01 58 71 21 99. Voilà, donc je vous remercie. J'espère bientôt vous avoir au téléphone. Et voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et je vous dis à très très bientôt. Et voilà, on est quand même en juin et je souhaite de bonnes vacances aux personnes qui partiront bientôt en vacances. Allez, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.